à toutes les entrées peut-être. Non mais je pense qu'ils ont pas de gosses ces gens-là. Salut. Тэгээд бүгд тэ байж яах вэ юу гэсэн. Гэрбэлээ маань. Тэгээд хашаа руу шахаж оруулах гэсэн юм аавсан юм шиг. Юу гэх юм. Тэгээд энэ ундраа үлдчихэж байгаа. Ундчих юм байхгүй. Чи гэдэг яах юм бэ? Тэ димансон. Паспорт ба хомгийн паспорт ба. Ямар ба. Аа юу Et vous nous donnez votre numéro, comme ça s'il y en a un qui est à la rue dans 3 jours, on vous les ramène. Vous avez la chance d'être né au bon endroit. Vous avez la chance d'être né au bon endroit. C'est nos égaux, c'est nos égaux, c'est vos égaux en nous. Vous êtes pleine de mensonges, Madame Balzard. À chaque bâtiment, allez. Oui, bon, Bah oui, vous devez des explications à tout le monde. Il
Mais si. Les familles de lundi, elles sont là. C'est le CCAS qui va les prendre en charge, c'est pas vous. Est-ce que vous voulez bien nous suivre à l'action d'aujourd'hui, comme à l'époque, la directrice de cabinet d'architecture disait qu'elle avait hébergé toutes les familles. Trois jours après, c'était nous qui les avions battus. Quoi, non, madame. Ah, mais si, mais je si. Vous le dis. Mais si, je vous le dis. Parle de l'action. C'est quand même non, c'est madame comme l'action de lundi. Arrêtez là. Il y a encore 5-15 de place au Mais parce qu'on le sait que vous faites que des effets d'annonce. Vous ne faites que des effets d'annonce. C'est vous qui faites des annonces. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va vous les amener. On a pu justifier que toutes les places sont pleines, que vous annoncez qu'elles sont libres. C'est faux. Il y a déjà 35 places pour les Covid. Oui, alors oui, mais c'est de l'effet d'annonce. Bravo, Laurent. Le rôle de l'État, la chasse à la misère. Bravo. C'est pour ça qu'il y a encore des gens au lac. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans la rue. À chaque fois, on vous écoute, c'est que des bullshit. Non, mais parce que vous n'avez plus le mot. C'est des mensonges. Il fallait écouter avant. Il y a 3 jours, 15 personnes, vous n'avez pas logé. Je crois que là, vous allez en loger 300. Et les précaires et les Français, ils se démerdent. On a bien entendu, madame. Hein, lundi, on a bien entendu. C'est vous qui les gérez. Non, mais Raymond, c'est eux qui sortent des hôtels. On reviendra à la préfecture et on vous les mettra devant la préfecture. C'est ça que vous voulez? Vous voulez discuter? En couteau? Non, mais on a les exemples. Est-ce que vous pouviez arrêter avec les lumières dans la figure? Ah, ben nous, on est. Parce qu'on ne voit rien, là. On ne voit pas. On ne voit pas. On n'est pas bien, là. Messieurs, dames, on n'est pas bien. Est-ce qu'on peut discuter? Attendez, allez, on discute. Nous, on a demandé un rendez-vous auprès de la préfète. Oui, non, mais nous, on voulait discuter. Il y a un an et demi qu'on demande à la préfète de nous recevoir. Et pourquoi vous ne l'avez pas expliqué avant? La maltraitance, voilà ce que vous faites. Toutes ces personnes vont être hébergées ce soir. Ce n'est pas vrai. Combien de temps? Une nuit? Pérenne, allez-y, dites-le. Mais arrêtez un peu avec vos... Elle le dit. Pérenne. Comment? Pérenne. On verra bien. Vous allez voir, ça, vous mentez. Putain, vous mentez. Putain, elle le dit. On se donne rendez-vous dans 3 jours. Lucifer. Honte à vous. Dans tous les cas, honte à vous. C'est bien mieux que la rue quand même. Mais c'est pas juste à travers. Cette expulsion sera jugée illégale. C'est une votre force, c'est que ça sera dans 2 ans qu'on va vous dire. Mais vous serez responsable. Personnellement, je vous promets. Ça les empêchera pas de dormir. Oh, c'est pas bon. 17 ans qu'on a mis pour les faire. Et il a été condamné. Vous verrez. Un jour vous paierez. Vous regardez le matin, le soir dans les yeux. Toutes ces personnes. Un jour vous hébergez. Combien de temps? Mais oui, ils ont déjà un hébergement. Dites-le. Madame, les réfugiés ont droit. Il y a des gens là-dedans. Il y a des demandeurs d'asile. Il y a des demandeurs d'asile aussi ont des droits. Oui, mais vous ne les respectez pas. Vous les laissez dans la rue. Ils devraient déjà pas être là. Ils sont là, c'est parce que vous ne les hébergez pas alors que vous avez le... C'est votre responsabilité de les héberger, vous ne le faites pas. Non, mais c'est horrible. Non, vous n'appliquez pas les droits. Bon, et l'exclusion que vous allez faire, elle est pas horrible. Non, monsieur, on va pas sortir. Ils devraient déjà être hébergés depuis le départ. Dans des... Mais ça fait des années que vous le dites. Je vais avoir une réponse. Vous la connaissez, vous avez vu les logements? Oui, je vous écoute. Vous avez vu.
Nous, on n'a plus de stylo, parce qu'on écrit régulièrement à la préfète. On écrit régulièrement à votre supérieur. Non, c'est trop. On vous le prouve. Mais vous savez qu'il y a des Syriens, il y a des Syriens que Madame Bucchio a piégé. Hospitalisés ici, il y a des gens malades, ils sont déjà tous ils sont déjà tous On vous a envoyé un courrier, ça fait un an et demi qu'on vous demande de venir, de faire un recensement. Vous avez fait un progressivement. Vous avez fait un comptage de Non, c'est faux. Bonjour, c'est la poste, avec un grand sourire. Vous ferez ça, vous? Bonjour, c'est la poste. Apprenez-la le respect déjà. Pour commencer, ça n'a pas l'air d'être dans la formation, apparemment. Ils doivent être traités avec dignité. Alors ça, ça serait bien de donner le mot d'ordre. Oui, parce que déjà, c'est immonde. Parce que là, nous, on va veiller à ça. Là, il va y avoir un problème. Parce qu'en plus, il est maltraité, il se moque d'eux. Alors là, on va avoir un gros problème. Vous m'avez dit ça, je vais aller voir. Ouais, on peut plus. Un petit mot dans le cookie là, ça va faire le tour. Bonjour. En plus en Charente ou n'importe où. Ils sont tous après. C'est plus leur. Ils ont amené des bus, ils ont amené à Lille, c'est pourquoi pas. Les gamins à l'école qui ont changé d'école vers leurs potes, déjà que l'intégration n'est pas facile, ils sont tous. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on a un arbre. Chacun sa.
Perron. Alors, non, il y a deux ici, alors excusez-moi, laissez-moi passer. Pardon. Ouais, ça commence à nasser sévère ici. S'il vous plaît, messieurs, vous avancez, merci. Vous ne poussez pas le pied. On vous demande d'avancer. C'est qui le chef là, du CRS là? C'est qui le chef du CRS? Non, on a besoin d'être là avec les familles. Vous demandez d'avancer, s'il vous plaît. Non, mais si on s'inquiète. Allez, s'il vous plaît. Allez, non, par contre, vous pouvez pas. On vous demande d'avancer, s'il vous plaît. Regardez, là, vous pouvez avancer par là. Vous pouvez, bah, là, Ça se passe bien. Ils sont pas mis d'accord. Où ce monde On les a coincés. S'il vous plaît, vous avancez, merci. On avance. On vous demande d'avancer gentiment. Mais il y a vos collègues, vous avez un peu. Ils veulent pas la main. Il y a que l'autre côté, on s'en fout. Et moi, j'avance pas, ça tape. Ça tape de l'autre côté, on va pas y aller. S'il vous plaît, monsieur. Mais ça tape de l'autre côté. Allez, on avance là. Avancez, s'il vous plaît. Est-ce que je lui filerai pas son sac, non? Il est où? Allez, messieurs, allez, on avance, allez, on avance. Allez, à droite, à gauche, au milieu. Avancez, s'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît. Dans cette direction, s'il vous plaît. Par là-bas. Regardez mon bas. Par là-bas. Allez, on est dehors, on a pas fait le tour deux fois, essayer de trouver une chance. Allez, messieurs, on avance, s'il vous plaît.
Allez. Non, on n'avance pas. On va, on bouge pas, on bouge pas. Allez, on bouge pas. La préfète à la rue. On va avancer, calmez-vous, 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 ça sert à rien, hein, on va avancer, calmez-vous, ouais, ouais, ça va, on a compris, on avance, calmez-vous, calme-toi. Allez, avancez. Oh, doucement, doucement. C'est ça. Les gens qui reviennent, ils sont là depuis deux ans.